Écoutez, je dirais tout simplement que tous les 3 ans, M. Godin fait son petit caca nerveux. Il fait des déclarations fracassantes. Voilà. Et qu'à partir de là, je vais répondre tout simplement. J'ai écrit cette lettre au président de la communauté urbaine de Marseille, en lui spécifiant que je maintenais, au nom du Conseil général, l'ensemble des financements engagés dans un partenariat qui date de l'année 2009, dans le domaine des transports en commun et sur le dossier du Vieux-Port. Alors, lisez la lettre qui est à votre disposition dans les détails. Je confirme que le Conseil général tiendra ses engagements. Ah, vous savez, c'est un jeu de rôle des uns et des autres. Je pense que la communauté urbaine aujourd'hui est sous la tutelle de la ville de Marseille, donc de M. Godin. C'est M. Godin qui dicte ses choix au président de la communauté urbaine. Oh, indignez-vous, franchement. Moi qui ai lu plusieurs fois le livre de Stéphane Hessel, c'est autre chose quand même. Quant à ma demande de démission, c'est un jeu de rôle. Lorsqu'il y a eu des problèmes à la région en son temps, il y a quelques années, lorsque M. Godin était président de région, je n'ai jamais demandé sa démission. Lorsqu'il y a eu des problèmes à la ville de Marseille en 83 de mémoire, ou en 2003, pardon, je n'ai jamais demandé sa démission. Alors, de grâce, un peu plus de recul et de responsabilité. En aucun cas, je ne fais de chantage à qui que ce soit. En aucun cas, je fais de chantage à la subvention. C'est pas mes habitudes. En aucun cas, je fais des guerres à qui que ce soit. Je suis un pacifiste né. Je ne fais qu'une guerre, moi, contre la maladie. C'est tout. Je vais vous dire, cette opération est une opération politicienne pour essayer de me déstabiliser. Eh bien, ils se trompent. Au contraire, ça me conforte. Ça me conforte parce que, sur le fond, j'ai toujours honoré mes engagements et je continuerai à le faire. Moi, je vous le dis, peu importe les mots du maire de Marseille à mon encontre, les phrases employées à mon encontre, peu importe les mots, les phrases employées par le président de la communauté urbaine, je suis prêt à rencontrer dès demain le maire de Marseille pour parler sur l'ensemble des dossiers, le président de la communauté urbaine pour parler de l'ensemble des projets, parce que je ne supporte pas les disputes qui n'intéressent, entre politiques qui n'intéressent qu'un tout petit microcosme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône.